Je m'appelle Nicolas Paul, j'ai 36 ans et je suis artisan électricien. Je viens de créer mon entreprise et ça se passe très bien puisque j'avais déjà des connaissances avant qui m'ont permis de travailler tout de suite. J'ai commencé toutes les démarches, voir un petit peu les formations qu'il fallait, les certifications, parce que dans le métier d'électricien, il y a quand même tout un tas de certifications et de formations qu'il faut avoir maintenant pour s'inscrire à la Chambre des métiers. Il y a une demande qui est assez importante. Aujourd'hui, on remet aux normes beaucoup de logements. Il y a beaucoup de constructions qui se font. Et comme l'habitat, c'est quand même un poste de dépense qui est assez important chez les gens, du coup, on a du boulot. Ouais. J'ai toujours aimé tout ce qui est technologie, etc. Je suis toujours resté un petit peu aux aguets de ce qui se faisait. Et je voulais vraiment pouvoir proposer à mes futurs clients des solutions vraiment en domotique qui étaient assez, assez pointues, quoi. Ce que j'aime dans l'électricité, c'est que justement, on peut allier ce côté innovation tout en restant justement sur un métier manuel parce que je suis quelqu'un de manuel à la base. Après, l'électricité, c'est vraiment mon domaine, mais la domotique m'a permis d'allier justement ce côté innovant, le côté 2.0, nouvelle génération. Il y a une forte demande et qu'effectivement, le marché est en expansion. La domotique, c'est pour la gestion de l'énergie, c'est pour les économies d'énergie, c'est pour le confort de l'habitat. Donc maintenant, effectivement, la domotique, c'est le passage obligé pour tous les électriciens.